Bonjour. Il était une fois, James Kalela, qui lorsqu'elle eut 9 ans, avait décidé qu'un jour elle aurait un grand jardin dans sa grande maison. Alors c'est presque chose faite, puisqu'à presque 30 ans, elle assure 4,5 mètres carrés de son balcon, situé en plein cœur urbain de Nice, c'est-à-dire très minéral, très dense et un petit peu pollué. Eh bien, cette petite oasis de verdure, où poussent fleurs, plantes grasses, avocatiers, petits arbres donc, mais aussi plantes potagères, aromatiques et plein d'autres variétés que vous pouvez découvrir en vous abonnant sur la chaîne Atelier 316. Oui, vous l'avez compris, James Kalela, c'est moi, je vous parle en cet instant même, et j'ai vraiment envie de vous montrer à quel point il est possible d'avoir un petit coin de verdure, que vous ayez une grande terrasse, un balcon comme le mien, un rebord de fenêtre ou même pas du tout de fenêtre, vous pouvez avoir ce jardin chez vous. Alors non, je ne vais pas vous raconter des salades, mais ça n'a pas toujours été facile. Des échecs, des ratés, des questionnements, mais aussi de belles surprises, des associations, des grandes réussites qui m'ont vraiment permis de voir en cette troisième année que je suis en train de commencer qu'il est absolument possible de cultiver, de jardiner sur son balcon. N'attendez pas d'avoir 100 mètres carrés, un hectare ou un super jardin partagé. Vous pouvez commencer chez vous. Comment? Eh bien, rendez-vous sur Instagram et sur cette chaîne YouTube où je vous partage toutes mes astuces, mes bons plans, mes conseils, avec vraiment des idées système D, parce que c'est ce qui est au cœur de ce projet du jardin 316, du jardin balcon, c'est le système D, la débrouille et bien sûr la permaculture, le bio. Donc ici, zéro déchet et zéro chimique, zéro synthèse. Rendez-vous sans plus attendre sur Instagram, @lejardinbalcon, lejardin316, et sur cette chaîne YouTube en vous abonnant. Car oui, on est bien sur la chaîne Atelier 316, et le Jardin 316 est un projet parmi d'autres d'Atelier 316. A très vite, shalom.